Bon, maintenant, allons voir ma mort subite contre Hanks. Une partie à deux joueurs que j'ai remportée. Une chance qu'il y a eu le réflexe de faire un chemin à la fin, sinon c'était une partie sans chuter pour moi. D'un point. Regarde, vous voyez, dès à l'instant que je le touche, ok, il commence à fuir. Il essaie même pas de répliquer, il veut juste répliquer après. Dès qu'il atteint le sol. C'est souvent ça que vous faites, vous les joueurs, hein? Non, ça c'était hors cible. Ça attaque vers le bas. Regardez, à la minute. Arrêtez de me fuir. Sinon, ce qui vous est arrivé, regarde. Bon, 52% de dommages pour moi, et voilà mon premier KO. Arrêtez de reculer. Coudon, venez donc me faire face. Je sais pas de quoi vous avez peur. Bon, un bon coup d'honneur, ça, là. Vers le côté. Ouais. Ça sent 15%. Survie 132. Bon, ok, il a esquivé le coup fatal, c'est bon. Tu m'as juste saisi juste pour te faire gagner du temps. T'es un peu poche, là. Au lieu de te moquer, ok, essaie donc de gagner en mort subite. Ma saisie a arrêté en cause d'un lag. Mais bon, c'est pas si grave que ça, moi j'ai réussi à le foncer dedans. Et où je fais une roulade arrière, ben voilà ta surprise. Voici ce qui arrive à ceux-là qui ont peur de vouloir me frapper à mort subite. C'est ça qui va vous arriver. Que ce soit dans les airs ou au sol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous osez pas. En osant pas, rien ne se passe. On se rejoindra pour une prochaine vidéo.